Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ces images que je vous présente, ce sont les images qui présentent Francis Ngannou, qui montrent que Ngannou est déjà au Cameroun. Et hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, il était du stade de Touré, selon ce que j'ai lu, pour encourager son équipe, bien entendu, Sable de Bati. Je vous invite un peu à regarder un peu un extrait de joie. Comment les jeunes étaient contents de voir Francis Ngannou. Écoutez très bien. Vous avez deux matchs. Vous faites là-bas encore un match fédéral. Vous perdez contre le fédéral. Vous l'avez me remboursé. Vous perdez contre le fédéral, vous me remboursez. Moi, je suis plus dedans. Dans les trucs, on va faire mieux. Ok, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, on va considérer que c'est gagné. Alors, comment Ok, vous voyez comment les jeunes sont contents, les jeunes footballeurs, les jeunes de l'équipe Sable de Patier sont contents de voir Francis Ngannou, de voir le champion, de voir le champion de MMA devant eux. Ok, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que hier, on a perdu un autre champion qui pouvait nous donner cette même joie que Francis Ngannou nous donne aujourd'hui. Il s'appelait Tchotieu Enes. Il est décédé hier à l'âge de 42 ans. Double champion MMA au Cameroun. Double champion MMA. Il a reçu une balle par la garde nationale tunisien hier, c'est-à-dire qu'il quittait le Cameroun pour l'Europe, le Boza. C'est l'un des gars que Francis Ngannou a fait rêver. C'était donc un Bozaïeur. Il y a eu les échanges de voix. Quand les gars voulaient traverser, on voulait les rapatrier. On ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on les bloquait. Il a reçu donc la balle sur la tête. Si vous voyez les images, vous pouvez juste voir un peu quelques images là quand il boxait et tout ça, quand il s'entraînait. Voilà les pièces, ces pièces d'identité, vous pouvez voir. Vraiment, ça fait mal. Voilà un autre champion qui pouvait porter les couleurs vert, rouge, jaune. Hisser le Cameroun aussi haut comme Francis Ngannou l'a fait. Nous sommes contents aujourd'hui parce que Ngannou a réussi. Mais je voulais faire comprendre aux Camerounais que nous n'avons pas les mêmes destins et nous n'avons pas les mêmes chances. Comme un artiste avait chanté, on peut naître dans un même quartier, mais on n'a pas le même destin. On peut avoir le même boulot, le même salaire, mais pas les mêmes chances, les amis. Pas les mêmes étoiles. Chacun a son étoile. Ce n'est pas parce que Francis Ngannou est champion du monde aujourd'hui qu'il a Boza. Que toi, mon psy, toi aussi, tu penses que tu peux Boza et réussir comme Francis Ngannou. Vous allez dire qu'il n'y a pas que Francis Ngannou. Beaucoup ont aussi Boza, ils ont réussi. Sur 100, peut-être 10, autour de 10, on ne vous parle jamais de ceux qui sont morts. Nous, on reçoit les images tous les temps. C'est vrai, il n'y a pas un Camerounais plus qu'un autre. Je parle encore de celui-ci parce que j'avais décidé de ne même plus parler des Bozaïeurs là. Parce que c'est comme si au fur et à mesure qu'on parle, si vous allez mentir même plutôt alors aller mourir dans la mer, dans, je ne sais pas trop, au désert. D'autres disent que c'est pour les forts. Francis Ngannou a réussi à traverser parce qu'il était fort. Non, c'est vrai, il était fort. Voici aussi un autre fort qui n'a pas pu traverser. C'était dans la chance. Et il y a les gars qui ne sont même pas forts, qui ont traversé. J'ai même un cousin qui a traversé, qui est en France, par le Boza. Mais quand il est arrivé, il m'a dit, frérot, si c'était à reprendre, je te jure, parce que c'est sa condition pour arriver là-bas, ce qu'il a traversé, il dit qu'il n'avait jamais pensé un jour qu'il pouvait voir ça de sa vie, avec ses propres yeux comme ça, étant vivant. Les amis, j'aimerais qu'on prenne l'exemple sur Francis Ngannou
dans le sens du travail, de la persévérance. Nous tous, on a vu que Francis Ngannou a persévéré. Sableur, tout ce qui naît d'une famille pauvre, tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on a déjà tout dit, tout le monde sait déjà qui est Ngannou ou qui est Ngannou. Ngannou d'aujourd'hui. C'est beau. On peut persévérer. Mais de notre côté, j'ai tellement les larmes qui coulent au fond de mon cœur. Quand je lis tout ce que le gars là, je ne sais pas si c'est vrai. Tout ce qu'on nous explique qu'il subissait dans son... ou c'est dans son club, ou c'est... je ne sais pas trop comment on appelle ça. Dans sa discipline. Tout la maltraitance, tout parce qu'il n'est pas mouru à la Méditerranée comme ça, parce qu'il ne s'en sortait pas. Il n'est pas mouru à la Méditerranée comme ça, parce qu'il ne s'en sortait pas au pays. À un moment donné, il a dit même, moi, aussi fort que je suis, double champion MMA, qu'est-ce qui me manque pour Brice? Qu'est-ce qui me manque pour devenir aussi comme Francis Ngannou? Je vais aussi prendre la mer. Si Francis Ngannou avait pris la Méditerranée, le désert, il est arrivé. Pourquoi pas moi? Il a pris et il est resté en route comme beaucoup de Camerounais. Beaucoup meurent en route comme ça. Ça fait mal de perdre une étoile comme ça. De perdre un vaillant soldat camerounais comme ça. Pour rien. Tout simplement parce qu'il cherchait à être aussi meilleur. Il a certainement tout donné dans sa discipline. Et voilà comment il meurt cadeau. Les jeunes vont mourir comme ça jusqu'à quand? Les gars, persévérons comme Francis Ngannou. Parce qu'il a persévéré. Moi, je prends le sens de la persévérance. Il a supporté jusqu'à un jour. Les portes se sont ouvertes. Et son étoile a brillé. Un jour, le Cameroun, l'étoile du Cameroun va s'ouvrir. Et nous, le Cameroun, je veux dire quoi? L'image du Cameroun va changer. Et nos étoiles vont aussi briller, les amis. Au lieu d'aller mourir, cadeau est gratuit. Les gars, persévérons. Un jour, les choses vont changer. Un jour, one day, les choses vont changer. Je sais que c'est difficile. Moi-même, je suis au pays. Je sais, ça brûle tout le monde. C'est chaud. Ça ne va vraiment pas. Mais un jour, la banane qui va mûrir, même si on met au congélateur, peu importe le nombre de temps, ça va mûrir. Ça chauffe. Mes sincères condoléances à la famille, la grande famille du feu Tchotieu, comment ça qu'on appelle, Tchotieu NS. Et grand frère, que ton âme repose en paix. J'étais juste avancé, c'est le passage de tout le monde, de tout ce qu'on va, c'est le chemin de tout le monde. Que ton âme repose en paix. Et j'invite et je demande seulement pardon pour clôturer ma vidéo à Francis Ngannou de faire une petite vidéo pour demander à ses frères camerounais de ne plus bosser. Que ça kill, ça tue. Grand frère, tu es populaire aujourd'hui, tu es suivi. Fais même seulement un post pour dire à tes frères, les gars, le bosser n'est pas bien. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.